I have a rare opportunity for you. It seems there may be a tomb hidden on that forsaken place. Tombs mean treasure, and yet sadly, my usual relic hunters are superstitious idiots who refuse to disturb this so-called sacred place. You, Tenno, however, are more pragmatic, especially when it comes to ducats, am I right? Sans avoir Wyrm. You can feel the filth and grit in every breath. Et apparemment il y aurait un truc avec Zephyr que j'ai jamais vu, donc je vais essayer de voir Frank Zephyr pour voir s'il y a un truc caché. Voilà. Alors, on va voir Frame, c'est très simple, elle offre plein de boosts, donc restez collé si vous voulez avoir des boosts, et dès que vous en voulez, vous sonnez en fait. Vous vous mettez à côté et vous dites Oh, des orbes d'énergie. Photographie et fougère du coin en plus. Oh, ça c'est une belle tombe. Ignore these glyphs. Nothing but nonsense about their so-called god king. Inaros, is it? How quaint. The only thing heaven sent from Inaros would be the prices relics from the auction. Ouais, j'arrive. Moi, je parie pour des sentientes. You don't need to be scared. There, there. That's right. Shake out the sand. But remember, not all of it. And I'll tell you the story. Tenno, what is this? How are you doing that? Long ago, the lands of our colony were cursed. They were soaked in fear. The Golden Skymen would come and take our children away. Young and old alike cowered before them, afraid to lose their most beloved. That voice! Tenno, stop this! But then he came. The Fear Eater, the Sky Killer. He was called Inaros. A burial vessel. It will contain precious relics. There, there, you're not defiling a tomb. You're creating wealth. Return to your ship. We must examine this vessel further. Ça ressemble un peu à Petra, c'est sympa. À quoi? Petra. Je connais pas. Tu sais, la... Bah, c'est la merveille qui est à côté de la Statue de la Liberté à Paris. I could have never foreseen this. That vessel, it contains primitive etchings that seem to be a sort of blueprint. Was a warframe entombed there? Look at it, it's exquisite. There's an inscription. Prove you are him. Destroy the ones who oppress. Destroy who? Does this smudged glyph represent some enemy? You'll have to carry. Ah, mais c'est d'accord, c'est une warframe, okay. We're to unlock these secrets. Operator, what in stars could this possibly mean? Three parts, three acts, three riddles for thee, to revive the one wielding fantasy. Ancient god so cruel, once ruled from on high. Can you name their peak, where the land meets the sky? I found this inscribed on that Orokin artifact you just crafted. You should check your inbox for more information. Did you enjoy that poem? Ordis is composing one as well. It begins, a scumbag corpus from Venus. Et moi j'ai plus le message, il est effacé. T'as effacé le message, bah alors? Oui, il revient pas en plus, je suis en train de me dire merde, il est où? Ancien, ancien dieu si cruel, enchaîné par les cieux d'Olympus. Ah, bah il faut aller sur Olympus. Toi t'as Olympus qui apparaît clairement? Oui. Ah bah, ben, on va dans le poème? Oui. Oh bah, le bol. Sur Terre, Olympus? Ah non. Non, c'est sur Mars. Ah, allons sur Mars. Je vais copier ça. Oui, je me fais. Il vaut mieux parce que mon arme est niveau 0, donc. Bah, est-ce que tu tires plus vite et que tu recharges plus vite? Je combats au corps à corps. Pour voir qui sert.
the void imprint. It's old. I see worm ships coming out of punch. A warframe fighting sentience, shields failing. Sorry, Tenno. I'm not sure what that was. Dans son souhait d'immortalité de ne jamais pouvoir être, de toujours rester en un seul morceau, et un des souhaits qu'il a fait est aussi de ne jamais être restreint dans ses mouvements. Il ne peut pas se faire enfermer. Il peut pas se faire enterrer ou quoi que ce soit. Mais la prophétie de mort, elle est assez intéressante. Tu finis pas tes phrases. Je suis tout seul. Non, rien, j'ai cru que j'avais été déco. Bah moi j'aimerais juste pas utiliser la clé qui fait moins de dégâts parce que sur beaucoup de mémoire. Je la prends. Mon... Voilà. Mais du coup moi je peux. C'est parce que t'en fais pas de base, c'est ça. C'est le running gag. Par contre faudrait éviter de pas trop se disperser, et en fait pour une simple raison, c'est que t'as des endroits qui sont quand même assez perchés parce que c'est plutôt accidenté. Quand t'as des morceaux de navigation Léfantis qui sont disponibles, ils restent pas si longtemps que ça par terre. Oh oui, y a un trou. Non, attends. Pas par ici. Il faut... j'ai rien trouvé d'intéressant. Alors... Ah non, je vous ai déjà perdu, là. Oh, c'est peu. Y'en a un autre là-bas. Ah, il a lâché un truc. Oui. Meurs. Oui. Les modes pour Kavat. Voilà. Dommage. T'avais rien fait ce laser. Ah, ça c'est une salle de challenge, je dirais. Rien à voir aussi avec. Rien à voir avec la clé. Alors moi je suis trop lent pour les faire. Ancienne. Allez, oh, c'est parti. Et là, vous allez voir, le toboggan pour la sortie, il est plus simple. Hein. Non, synthèse. Hop. Oh. Un ennemi qui encaisse de toute façon, il faut pas le taper trop fort. C'est la clé avec les oreilles de Mickey. Qui c'est qui l'a prise? C'est la mienne. Oh, moi. C'est quoi alors? A pristine Arokan vault. Curious. The artifact you are carrying appears to be affecting your warframe. Alors, est-ce que ça vous... Oh, je l'ai pas celui-là. Deep within this millennia old Arokan turret infested ship. Lurks a creature created to fight in the old war. Oh, quelle originalité! Ça a l'air d'être. Y'a pas de boss! Ça ressemble pas à une arène de boss. Les arènes de boss, c'est des grandes salles. Ah! Bah si, en fait. Aussi boss que je peux imaginer. Il est bien élevé, il referme les trous dans le sol. Ah! Voilà. Ah mais non, je l'ai paralysé. Alors bah tant mieux. Bon, pardon. Non mais c'est bien. Wow. Eh ben il encaisse, hein. Oui, bah, c'est pas mal. Ah, je crois qu'on en a buté, hein. Ça, ça fait une bonne forme. Voilà. Une photo de famille. Mmh. Ils aiment pas du tout le corrosif en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là dès le début. Ah, deuxième, c'est fait. Au revoir. Ah, tu vois, quand j'arrive à bien viser, ça se passe beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Système Necros, 7 coordonnées Lefantis. Le stalker a pas aimé que je bute un gros. Il aime rien, stalker, de toute façon. Il aime rien. Content. J'ai surveillé, j'ai l'impression que mes poissons sont en train de jouer avec le jet d'eau, ça fait des trucs bizarres.
s'amuse à se mettre devant le jet d'eau et oui. Non, non, mais des fois il toboggan se marre. Le thermomètre, et le thermomètre se met juste en dessous du jet d'eau et ça fait les bruits, ça fait toujours. Aïe. Ah, j'ai passé l'énergie. Bon bah, il a scanné. Mon Helios a été plus rapide que moi. Voilà, tu peux faire la jonction. Youpi! Ok. Là, elle apparaît. Whatever that vessel wants you to do, I'm certain it's somehow connected to that smudged cliff. Ok, et du coup, tu dis qu'elle se remplit? Le symbole devient bleu. Mais t'as des nouveaux, t'as pas que Mercure, des fois t'as d'autres trucs. Développe d'autres photos. Archaic Weapons. J'adore sa pose. C'est pas par là. Et en fait, c'est ici. C'est quand t'es dans la pièce, t'as un. Tu me dis où quand t'es ici ou t'es passé par où? Attends. Je suis devant la console extérieure. Je fais le truc. Moi, je suis devant la console extérieure. Et après, là, t'as l'ascenseur. Non. Là, t'as l'ascenseur pour remonter. Attends. Il y avait l'ascenseur. Oui. Je rappelle donc les règles. Il y a des ennemis. Si tu as un ennemi, il y a une petite pastille verte qui tombe par terre. Tu ramasses des pastilles vertes que tu dois amener à la base ennemie. Si tu meurs, tu meurs tout de suite et tu laisses une pastille verte plus toutes les pastilles vertes que tu avais sur toi tomber par terre. À chaque fois que tu vas mettre des points dans la base ennemie, tu rajoutes du temps au chrono, parce que c'est chronométré. À la fin du temps, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ou si tu arrives à atteindre le palier, le score palier, ben dans ce cas-là, la partie s'arrête et tu gagnes la mise. Ok. Voilà. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Non, par contre, c'est bien tous les modes qui drop. Ouais, mais c'est toujours les mêmes. Pour l'instant, je les ai pas, donc... Oui, c'est pour ça, parce que tu les drops ici. Ah! Comment il gagne des points, cet adversaire? Pareil, il tue des gens et ils vont à la base de chez lui. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça faut pas mourir. Alors, si tu meurs, faut vite que t'as un collègue qui aille ramasser ce que t'as laissé tomber par terre ou qu'aille tuer l'ennemi qui a... Là, c'est bien, ils sont plutôt concentrés. D'habitude, ils se baladent un peu partout et c'est chiant. Honnêtement, le timer, c'est important quand t'as des gens qui stockent trop de points. Parce que t'en as comme ça, ils stockent, ils ont 15 points sur eux, donc je sais pas si c'est dangereux. Et en plus, des fois ça peut arriver que les mecs ils fassent pas gaffe et faut leur rappeler d'aller banquer un peu. Pour l'instant, on n'est pas tombé sur un grippin, donc je suis plutôt satisfait quoi. Deux trucs qui sont chiants, les grippins et les drones. Les drones parce qu'ils volent et ils bougent tout le temps. Les grippins parce que j'ai trop mal. En fait, c'est le gay qui pose des pièges. Ouais, il pose des cubes qui attirent. Embêtant lui. Ah, et si, il y en a un qui est très drôle, il se déguise en Warframe Aldé. Ah, du coup, c'est que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas nos sentinelles. Voilà, regarde, c'est fini, il n'y a plus qu'à mettre 5 points et c'est plié. Ça, vous jouez en public, il y a toujours plein de monde. Il y a toujours énormément de monde sur l'index argent. Non, j'ai pas encore essayé. Et voilà. 175 000 balles de plus. Ah, ça va pour plein de modes dorés. Oui. Eh hey Mathieu, 1 point 18 kills, ça t'a... Tu te les as fait voler à chaque fois. Bah oui, mais je les ramasse pas.